À une époque, on disait combien tu vaux? Ça, c'est une phrase d'Américain. Jamais, nous, on est pudiques, on parle pas d'argent comme ça. On peut pas prendre un individu comme un objet quand même. Tu peux dire combien tu vaux à une vaisselle, à un tracteur, combien ça vaut, mais pas un être humain quand même. La valeur de l'être humain n'a pas de prix. Et on pensait que c'était lié là-bas aux États-Unis. Bon, avec les années, hein, vous avez compris, c'est passé. Maintenant, c'est combien tu vaux, combien tu coûtes. On est vraiment devenu un objet, hein. Et puis alors avec la globalisation, hein, le fait que on a commencé à réunir l'ensemble des gens qui travaillent et se dire, oh mais pourquoi alors qu'en Afrique on les paye autant, en France on les payerait si cher, hein? Cette valeur du travail, elle a quand même pris un grand coup dans la figure, ce qui fait que les salaires ont baissé, baissé, baissé. Et maintenant, j'entends quelque chose qui me met en colère, je ne vous dis pas. Que ce soit en Angleterre, on a retrouvé Thatcher bis, hein, c'est le retour, ou alors même en France et tout, il faut retrouver la valeur du travail. Oui, bien. Un, c'est nier complètement qu'il y a peu de travail et que quand il y a du travail, eh bien pratiquement, il faut que les gens y payent pour aller travailler, hein. Alors on dit le travail, c'est la dignité, et certains le font, justement. Et c'est ça qui est terrible. Certains payent pour aller travailler. Que je connais, par exemple, une personne qui fait de l'aide à la personne. On lui paye pas son, on lui rembourse pas son transport. Je peux vous dire qu'elle perd 100 euros par mois. Mais elle me dit, sinon, je vais me tirer une balle à la tête. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Donc, la valeur du travail, hein, redonner la valeur au travail, il faudrait d'abord, à ce moment-là, considérer que l'homme a une valeur très importante et remettre, un prix, puisqu'on est des objets, des fonctions, de la matière, hein, remettre un prix décent pour que ce soit toujours une dignité de travailler. Allez, je suis en colère aujourd'hui. Vous l'avez compris, j'en ai marre de cette valeur du travail. Ciao!